مرحبا بكم الولاد، كما عودناكم نجيبو لكم ذا بيست اوف ذا بيست. مش نطول عليكم اليوم، باش جبت لكم اون بوينتور اون ماتيير دي ميثود كونتيتاتيف. سي محمد هنيت، باه ما نطولش عليكم. نحن ديما نبداو انكدوت صغيره. قبل انا كنت نعمل شويه سبور ما نفسع اكسيتيرا، وشكون باش يفسر لي الريشيرش اوبيراسيونيل؟ نمشي لسي محمد، نعيط له محمد 90 دقيقه في اكزرسيس. تو انا باش نحكي، باش نخليه هو تكتشفوا في 90 دقيقة يعمل لي. نبداو ليكزيسيس شابيتر 1 نكملو بيه حتى يكشي للشابيتر 5. اكزيسيس واحد هذايا قوة لابيداغوجي، وباش تكتشفوا الشيء هذايا ما نطولش عليكم ياسر. تفضل سي محمد، ما نعرفش باش تحكي لهم على جماعة لي شوسي اكسيتيرا، هات عليك باترون. Donc, je vais continuer. Merci Khaled, ce que tu as dit c'est un peu exagéré, mais bon. Mais la vérité. La vérité, ici, il y a un petit peu de temps. Écoute-moi, il y a un petit peu de temps. Donc, bon, la capsule pédagogique est destinée principalement pour tous les étudiants qui ont un cours de recherche opérationnelle et spécialement les étudiants de l'IHEC. Bon, la recherche opérationnelle qui m'attarde, c'est un ensemble d'outils et de méthodes, de techniques mathématiques donc, qui permettent de résoudre des problèmes concrets au sein de l'entreprise. Donc, l'objectif de la recherche opérationnelle, c'est une prise de décision optimale. Donc, ça c'est l'objet de la recherche opérationnelle. Bon, elle se base sur des techniques, bien évidemment, c'est des techniques mathématiques. Donc, les techniques mathématiques, c'est des techniques d'optimisation. D'accord. Donc, en fait, il y a deux étapes, deux grandes étapes en recherche opérationnelle. La première étape, c'est la formulation, donc comment on peut traduire un problème réel mathématiquement, à partir d'un modèle mathématique. Et la deuxième grande étape, c'est la résolution. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus les techniques de résolution. Donc, les techniques de résolution des programmes linéaires, parce qu'il y a un problème mathématique avec mon programme linéaire. Donc, en fait, il y a deux techniques de résolution. Donc, ça, c'est la technique graphique, donc, qui est très simple et qui s'applique pour les programmes linéaires, les PL, qui ont deux variables de décision. Ou il y a une technique qui est plus générale, qui s'appelle la méthode de simplex, et qui est utilisé pour les programmes linéaires qui ont deux variables et plus, même 5, 6 variables, d'accord. Donc voilà, donc on va commencer par la résolution graphique. Donc on a pris ici un PL à deux variables, donc ici c'est un PL de minimisation de coûts, donc il y a deux variables x1 et x2. Donc ici on trouve quatre contraintes, donc quatre contraintes fonctionnelles, et une contrainte de positivité des variables. Donc on va essayer de résoudre ce problème mathématique graphiquement. Bon, ici il y a la contrainte de non-négativité des variables, donc c'est-à-dire qu'on travaille dans le cadran positif ici. Donc pour résoudre ce PL, donc on va commencer par tracer les droites qui représentent les contraintes fonctionnelles. Donc, la méthode est la suivante, elle est très simple. Donc, ici, on a inférieur ou égal. Donc, il suffit de mettre égal donc, pour avoir la droite. Et après, on cherche le demi-plan qui est correspondant, puisque l'inégalité, c'est un demi-plan. Donc, lorsque je mets x1 égal à 7, ici, x1 égal à 7, x1 égal à 7, donc ça sera la droite ici qui est parallèle à l'axe des ordonnées, et d'abscisse égale à 7. Donc ça, c'est D1. Voilà. Donc, la deuxième contrainte ici, x2 égale à 10. Donc, ça sera une droite. Donc ici, x2 égale à 10, c'est ce point-là. Donc, ça sera la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et d'ordonnée égale à 10. OK. Voilà. Donc ici, la troisième contrainte, 6x1 plus 5x2 égale à 60. Donc, la méthode, elle est très simple. Donc, j'annule une variable et je tire la valeur de l'autre variable. Donc, je mets ici x1 égale à 0. Si x1 égale à 0, donc ici, on trouve x2 égale à 60 sur 5, x2 égale à 6. Donc, si x1 égale à 0, x1 égale à 0,
x2 égale à 12. 60 sur 5, c'est 12. Donc, c'est ce point-là. OK? Donc, ensuite, j'annule x2. Donc, x2 égale à 0. Donc, si x2 égale à 0, x1 égale à 60 sur 6, c'est 10. Donc, x1 égale à 10. Ça, c'est le point x1 égale à 10, x2 égale à 0. Donc ici, j'ai x1, 10, x2, 12. Donc par deux points, passe la droite. Donc je peux tracer la droite facilement. Voilà, c'est cette droite-là qui est d3. OK? Donc de la même manière, ici, la quatrième contrainte, je mets x1 plus x2 égale à 8. Donc si x1 égale à 0, x2 égale à 8. Ici, x2 égale à 0, x1 égale à 8. Donc ça sera la droite qui passe par les deux points. Donc 8, 8. Je trace la droite et j'aurai D4. Donc une fois j'ai tracé les droites, donc maintenant il faut déterminer les demi-plans. Parce qu'en fait, inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal, les inégalités représentent des demi-plans. Et l'ensemble des solutions qu'on cherche, c'est l'intersection de ces demi-plans. Donc ici, j'ai 4 demi-plans en fait. 4 demi-plans qu'on va chercher. Et on va faire l'intersection des 4 demi-plans pour avoir l'ensemble des solutions réalisables. Bon, voilà. Donc, on va revenir aux contraintes une par une. Donc, ici, x1 inférieur à 7. Donc, ici, c'est la droite de 1. x1 inférieur à 7. L'ensemble des points où x1 est inférieur à 7 se situe à gauche de la droite. Donc, ça, c'est l'ensemble des points réalisable, c'est l'ensemble des solutions qui vérifient la première contrainte. x2 inférieur à 10. Donc ici, c'est la droite x2 égale à 10. x2 inférieur à 10. L'ensemble des points dont l'ordonnée est inférieure à 10 se situe au-dessous de la droite. C'est ici. D'accord? Voilà. Donc maintenant, j'ai le premier demi-plan, le deuxième demi-plan, donc le troisième demi-plan. Ici, 6x1 plus 5x2 inférieur à 60, cette droite D1, en fait, il y a deux demi-plans, soit le demi-plan inférieur ou bien le demi-plan supérieur. Donc ici, il est évident que c'est le demi-plan inférieur qui vérifie la contrainte, parce que si je prends n'importe quel point ici et je remplace, je trouve que la contrainte est vérifiée. Donc si je prends 1, 1, par exemple, 6 fois 1 plus 5 fois 1, ça fait 11. 11 est inférieur à 60. Donc, le demi-plan qui vérifie, c'est le demi-plan qui est inférieur à la contrainte. Donc, c'est ce demi-plan qui vérifie. Donc, la quatrième contrainte maintenant, donc c'est celle-là, D4. Hein, la quatrième contrainte, D4. Donc, il y a deux demi-plans, soit le demi-plan inférieur ou supérieur. Donc, il est évident que c'est le demi-plan supérieur qui vérifie, parce que si je prends le point 1, 1 avec... Il ne vérifie pas la contrainte, puisque 1 plus 1 égale à 2 n'est pas supérieur à 8. Donc, c'est le demi-plan supérieur qui vérifie la contrainte. Donc, en total, on a 4 demi-plans. Donc, je vais les répéter très rapidement. Donc, le premier demi-plan se situe D1 à gauche. Le deuxième demi-plan inférieur. Le troisième demi-plan D3 inférieur et le quatrième demi-plan qui est supérieur. Donc on doit se concentrer un peu et avec un peu d'imagination, bien sûr. Donc, on peut déterminer que l'intersection des 4 demi-plans se situe à ce niveau-là, au niveau de, bien sûr, de cet ensemble-là. Voilà. Donc, ça, c'est l'intersection des 4 demi-plans. Le premier demi-plan, le deuxième demi-plan, le troisième et le quatrième. Donc, on peut, avec un peu d'imagination, bien sûr, déduire que c'est l'ensemble des solutions réalisables, ou bien, tout simplement, on peut assurer, si ce n'est pas très évident, donc on peut assurer les 4 demi-plans par des couleurs différentes, et on peut avoir cet ensemble-là. Donc, qu'on va nommer A, B, C, D et E. Donc, cet ensemble A, B, C, D, E, ça sera l'ensemble des solutions réalisables. L'ensemble des solutions réalisables, une solution réalisable, c'est-à-dire une solution qui vérifie toutes les contraintes
du programme linéaire. Ça, c'est un ensemble de solutions réalisables. Donc, n'importe quel point qui se situe à l'intérieur de cet ensemble-là ou sur la frontière vérifie toutes les contraintes du programme linéaire. Donc, maintenant, on a les solutions réalisables et on cherche, nous, la solution optimale. Qu'est-ce que la solution optimale? En fait, c'est la solution qui est réalisable. Elle doit être réalisable, bien entendu. Mais en plus, elle doit minimiser la fonction objective, puisque si on minimise les coûts. Donc, parmi cet ensemble de solutions-là, on doit chercher la solution. Il y a une seule solution, le plus souvent, une seule solution qui minimise la fonction objective. D'accord? Donc, pour ce faire, donc une fois j'ai déterminé les sommets de l'ensemble des solutions réalisables, il suffit de calculer les coordonnées de chaque point sommet, d'évaluer la fonction objectif en ce point sommet et de déduire bien sûr la solution optimale, puisqu'il est évident qu'une solution optimale ne peut pas se situer à l'intérieur de l'ensemble des solutions réalisables, puisque si on se situe à l'intérieur, il y a toujours une autre solution juste au-dessous ou bien juste à côté qui minimise le plus la fonction objective. Donc, toujours on regarde la frontière de l'ensemble des solutions réalisables et plus précisément les sommets de cet ensemble des solutions réalisables. Voilà. Donc, maintenant les sommets. C'est le point A. Donc, le point A, les coordonnées sont évidentes ici. C'est un point qui se situe sur l'axe. Les coordonnées, c'est 0, 8. Donc, 0, x1, 8, x2. Donc, 0, x1, 8, x2. Donc, je remplace les valeurs de x1 et x2 dans la fonction objectif ici. Donc, c'est 2 fois 0 plus 3 fois 8, ça fait 24. D'accord? Donc, le deuxième point, B, aussi, il est évident, et on peut le lire directement. Donc, 0, 10, 0, x1, 10, x2, 0, 10, je remplace ici. 2 fois 0 plus 3 fois 10, ça fait 30. Voilà. Voilà, donc on passe maintenant au point C maintenant. Donc le point C, en fait, il a le x2 qui est évident ici, puisqu'il se situe sur l'axe x2 égale à 10. Donc ici, on met x2 égale à 10. D'accord? Donc reste à déterminer le x1. Donc x1 ici, il ne faut pas faire de projection parce qu'on risque de faire des erreurs. Ici, l'échelle n'est pas très précise. Donc ce qu'il faut faire, c'est que on peut remplacer dans cette droite-là, D3. Donc, puisque C, le point C appartient également à la droite D3. Donc, la droite D3, c'est 6x1 plus 5x2 égale à 60. D'accord? Donc, c'est 6x1 plus 5x2 égale à 60. Puisqu'on sait que c'est x2 égale à 10, d'accord? Donc, on peut tirer facilement x1. Donc, ici, c'est 50. Je passe de l'autre côté. Donc, ça fait 60 moins 50, 10. 10 sur 6. 10 sur 6, c'est 5 sur 3. Donc, x1 égale à 5 sur 3. D'accord? Donc, les coordonnées du point C, ça sera 5 sur 3, 10. 5 sur 3, 10, je remplace de la même manière dans la fonction objective. Ça sera 2 fois 5 sur 3 plus 3 fois 10. On trouve 100 sur 3. Qui est à peu près 33,33. D'accord? Voilà, on passe au quatrième point, au quatrième sommet qui est D ici. D. Donc D, de la même manière, on peut lire son abscisse puisqu'il se situe sur l'axe, c'est 7. 7. Voilà, donc le D, x1, son x1 égale à 7. Le x2, l'ordonnée. Puisque D appartient à D3 également, à droite D3, donc il suffit de remplacer avec un x1 égale à 7. Maintenant, avec un x1 égale à 7, je tire le x2. Donc 6 fois 7, c'est 42. Je passe de l'autre côté, ça fait 18. 60 moins 42, ça fait 18. Donc x2 égale à 18 sur 5. OK? Voilà. Donc x1 égale à 7, x2 égale à 18 sur 5. Donc, je remplace maintenant ces deux dans la fonction objective, les coordonnées dans la fonction objective. Donc, ça fait 2 fois 7 plus 3 fois 18 sur 5.
Donc, tout calcul fait, on trouve 124 sur 5, qui est égal à 24,8. Voilà, donc le dernier point, c'est exactement de la même manière. Donc, c'est le point E. Le point E, ici, donc l'abscisse, c'est 7. Donc, x1 égale à 7. Et le point E appartient à la droite des 4. La droite des 4, c'est celle-là, c'est x1 plus x2 égale à 8. Donc, si x1 égale à 7, donc x2 égale à 1, bien sûr. Donc ça fait 7, 1. OK? Donc, 7 et 1. Donc, je remplace de la même manière. Donc, ça fait 2 fois 7 plus 3. Donc, ça fait 17. Donc, et ainsi, on a fait le recensement de tous les sommets. Donc, déjà, c'est la méthode de recensement des sommets. Donc, ici, puisqu'on est... On cherche à minimiser la fonction objective. Donc, on va choisir le point pour lequel C est minimum. Donc, ici, la valeur de C, on a 24, 30, 33, 24 et 17. Donc, 17, c'est la valeur minimale de la fonction objective. Et donc, E, ça sera la solution optimale. Donc, E, c'est la solution optimale. Donc, E est la solution optimale. X1 étoile, je mets étoile pour indiquer que c'est la solution optimale. X1 étoile égale à 7, X2 égale à 1, C étoile égale à 17. Donc ça, c'est la solution optimale qu'on a trouvée grâce à la méthode graphique qui est très simple en fait. Donc il suffit de faire le recensement des sommets. Donc il ne faut surtout pas faire de projection concernant les sommets. Donc il faut toujours essayer de faire l'intersection des droites parce que chaque point sommet, c'est l'intersection de deux droites dont on connaît les équations, donc on peut tirer facilement les coordonnées de chaque point. Et voilà, donc on obtient la solution optimale. Donc on peut la compléter, la solution, en déterminant la nature des contraintes. D'accord? Donc puisque j'ai la valeur de la solution optimale. Donc ici, si x1 égale à 7, si je regarde ici la contrainte, x1 étoile égale à 7. Si x1 égale à 7, j'ai 7 et 7. Donc, il n'y a pas d'écart, d'accord, entre les deux. Donc, il n'y a pas d'écart. Donc, l'écart égale à 0, puisque le premier membre égale au second membre. Donc, l'écart de la contrainte égale à 0. Donc, c'est l'écart de la première contrainte. On l'appelle, on va noter E1 étoile. E1 étoile égale à 0, d'accord. Et la contrainte est dite saturée. Elle est saturée, c'est-à-dire qu'elle est... C'est-à-dire elle est saturée, donc il n'y a pas d'unité disponible s'il s'agit d'un problème de production, par exemple, ou bien de matière première, ou bien de ressources disponibles. Pas de ressources disponibles. Donc, la contrainte est saturée. De la même manière, pour la deuxième contrainte ici, je remplace par la valeur à l'optimale x2 égale à 1. Si j'ai 1 de ce côté-là et 10 du second membre de la contrainte, donc il est évident que l'écart égale à 9. D'accord? Puisque x2 plus e2 égale à 10. Donc, 9, donc j'ai 1 ici et 10 ici, l'écart égale à 9. Donc, e2 étoile égale à 9. Et dans ce cas-là, on a une quantité de ressources qui est disponible et la contrainte est appelée une contrainte marginale. D'accord? C'est une contrainte qui est marginale. Donc, la troisième contrainte, de la même manière, donc je remplace la valeur de... des variables de décision à l'optimale. Donc, j'aurai 6 fois 7, 42. 42 plus 5, ça fait 47. Donc, j'ai 47 de ce côté-là et 60 de l'autre côté. Donc, l'écart égale à 13. Donc, il y a un écart de 13. Donc, E3, l'écart de la troisième contrainte, appelé E3, qu'on va appeler E3, égale à 13. Si l'écart est strictement positif, c'est marginal. La contrainte est dite marginale. Donc, la quatrième contrainte et dernière, 7 plus 1, je remplace, 7 plus 1 égale à 8. Donc, j'ai 8 de ce côté et 8 de ce côté, donc il n'y a pas d'écart disponible. Donc, E4 égale à 0 et la contrainte est dite saturée. Donc, voilà, donc, ça c'est un exemple très simple de la résolution graphique. Donc, je répète, la résolution graphique, on l'utilise lorsqu'on a deux variables de décision principalement, d'accord, et on doit faire très attention dans la détermination des demi-plans inférieurs ou bien supérieurs. Donc l'idéal c'est de toujours choisir un point
remplacer ces coordonnées à un point qui est simple, 1, 1 par exemple, ou 2, 2, qui est simple. Donc je remplace, si la contrainte est vérifiée, c'est le demi-plan qui contient, qu'on cherche. Et si elle n'est pas vérifiée, c'est notre demi-plan. Et ainsi, on peut déterminer l'ensemble des demi-plans et faire l'intersection de tous les demi-plans pour déterminer l'ensemble des solutions réalisables. Après, il suffit de recenser les sommets de cet ensemble de solutions réalisables. Si le PL, c'est un PL de minimisation, on prend la valeur minimale. Si, par contre, c'est un PL de maximisation de profit, par exemple, on prend la valeur maximale. D'accord? Voilà, donc ça c'est la méthode graphique. Donc je vous invite à travailler d'autres exemples qui avec la même méthode et la même logique.